Vous êtes ici avec qui? Elle est où? Mais elle est malade, c'est là-bas. Pourquoi vous êtes ici? C'est parce qu'on vous a vu traverser là. Attendez, dans le moment où je venais, vous avez couru de là pour ici. Est-ce que ce soir qu'on vous a remis ça? Is it tonight you were given this? Vous êtes marié? Are you married? Vous êtes marié? Are you married? Vous êtes déjà marié un jour? Are you non, pas married? Vous êtes déjà marié un jour? Have you been married one day? Vous avez quel âge? How old are you? 5 ans. Hein? 45 ans. C'est 45 ou 46? Is it 45? J'ai eu 45 le 10 mars. 45 le 10 mars. 45, the 10th of March. Vous avez quel âge? How old are you? Hein? 40 ans. 40 ans. 40 years. Pas de mariage. No marriage. Vous 45. You 45. Vous avez 45 ans. You 45 years old. 45 ans. 45. Pas de mariage. No marriage. Ok, est-ce que fine. Vous voulez qu'on fasse quoi? What do you want us je to do? Me marier. Et vous? And you? La même chose, papa. Est-ce que vous êtes prête? Are you ready? Prêt, papa. Vous êtes sûr? Are you sure? Qui croit que si nous prions pour elles, quelque chose peut se passer dans leur vie? Something may happen in their lives. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin du mariage aussi? Who needs marriage here? Nous prions pour nos deux sœurs. We pray for our two sisters. Et le Dieu des cieux te fera aussi grâce au nom souverain de Jésus. Votre famille a un rapport avec le mois de juin? Oui. Est-ce que vous avez un rapport avec le mois de juin? Dans votre famille? In your family? Je me souviens pas, papa. Est-ce que vous avez un rapport avec le mois de juillet? If you have a relation with the month of July. Est-ce qu'il y a un événement majeur qui s'est passé dans votre major famille? Event happening in your family? Le mois de juillet. In the month of July. Je pense le point d'enterrer mon père, je crois, un mois de juin. Juillet. July. J'ai bonne nuit. D'accord. Votre père. Your father. Ok. Fine. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Can we pray for them? Vous, you, on va prier pour les habits. The clothes. Les habits. Clothes. Hein? Je vais prier pour vous. Pour les habits, for you, les for habits. Clothes, clothing. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein? You vous ne pouvez what pas I comprendre. You can't even je vais prier pour elle pour les habits. I will pray les habits. Parce que because il y a des habits. Vous, il y a des cabas. There are some vous aimez trop les cabas. You love il y a des cabas qui ont disparu. That il y a trois de vos cabas qui ont disparu. Vous me suivez? Vérité. On va prier pour we les pray. Habits. Wow. Les habits de la femme s'y sont quelque part. This woman's clothes are somewhere. Ses habits sont très loin. Very far, her clothes. Vous voyez la femme ici. You see this woman. Maman, regardez la dame si celle-ci. Look at this woman. Vous voyez quoi? What do you see? C'est une belle femme. Ok. Ok. Elle voit une belle femme. She sees a beautiful woman. Moi, je vois plus loin qu'une belle femme. But I see more far than a beautiful woman. Vos habits, on doit prier pour ça. Clothes, we should pray for moi, je vais faire un travail par rapport à vos habits. Amen. I will do work pour que for tout ce qui a été fait soit anathème. Il y a quelque chose qui s'est passé ça, c'est des années. That for years des ago, années. Years back, avec une femme qu'on appelait Marie. A woman called Marie. Hey, papa, elle est là. Hein? Notre elle est là. Notre elle, est tante, elle est là. Hein? Elle est là. Hey. Alors, regardez. Look. Marie, c'est qui pour vous? Who is c'est Marie la petite soeur à ma défunte maman. Marie, c'est qui pour vous? Who is c'est Marie la petite soeur à ma défunte maman. Et quand j'ai dit Marie, pourquoi vous avez pensé à elle directement? Parce que c'est elle, papa, on a trop parlé d'elle. Hein? C'est la seule Marie. C'est la seule Marie. Et elle a même confessé. Elle a confessé quoi? Elle nous a trop fait du mal. Elle a encore dit quoi? What did she say else? Elle a dit qu'on ne pouvait rien faire, on ne devait pas se marier. Elle a dit beaucoup de choses. Et vous avez cru? And did you papa, believe nous avons it? Cru. Ma petite soeur et moi. Et maintenant, comme je vous parle, vous croyez you, en elle ou en moi? You believe je in crois her en or vous, in papa. Me?
personne qui fait des incantations ou des imprécations contre ta vie, ça ne marchera pas au nom de Jésus. It won't work in Jesus' name. Est-ce que je peux vous détacher de ces paroles de malédiction? Amen, papa. Est-ce que vous croyez en ça? Je crois, papa. Ah, amen. Vous êtes sûr qu'on a déjà parlé un jour? Non, papa. Vous êtes sûr? Toute personne dans ta famille qui a ouvert la bouche, ouvert des pratiques, disant que tu ne seras rien, comme tata Marie a dit, like Auntie Marie à ses filles, j'anéantis ça et je détruis ça au nom de son nom. J'anéantis ça et je détruis ça au nom de Jésus. Regardez, je peux vous étonner. Oui, vous avez un chéri. Est-ce que vous avez un chéri? Non, papa, je n'en ai pas. Vous avez un chéri? Non, papa. 45 ans, 40 ans, pas de chéri, rien. No, darling, je peux vous dire ce qui va arriver. Can I tell oui, you papa. Je peux vous annoncer ce qui va arriver. Oui, papa. Je prie sur vous parce que c'est la grande sœur. Après, je vais prier sur elle. Regardez. Amen, papa. Regardez la femme-ci. Je vais lui annoncer les choses qui vont arriver. Il y a une bénédiction devant vous. Quand vous étiez une jeune fille, oui, papa. Il y a un jeune homme qu'on appelait Franck. Hein? Fred. Qui vous aimait. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Et vous l'aimez aussi beaucoup. Oui, papa. Il est où maintenant? Il est là. Où? Il est dans Douala. Il dit quoi? Je l'ai repoussé parce que... Il s'est marié, je lui ai dit je ne veux plus, il a dit qu'il veut de moi, j'ai dit je ne veux plus. Mais partout il passe, ici il voit quelqu'un qui me connaît, il dit qu'il a sa femme dans ma famille. Vous, regardez, quand vous regardez, vous avez fait le lycée où? Non, je n'ai pas fait le lycée. Vous n'avez pas fait le lycée? Vous avez fait l'école primaire où? À Yaoundé. Où? Vous avez arrêté à quel niveau? Moyen 2. Hein? Moyen 2. Vous avez arrêté au moyen 2. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà promené dans un lycée? Oui, papa. Vous étiez allé faire quoi? Vendre. Hein? Vendre. La cantine. Vendre quoi? La cantine. Vous vendiez à la cantine? Oui, papa. Ça fait combien de temps? 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui, j'ai vu quelqu'un qu'on appelait comme Petit. Hein? Petit. Ça, c'est un jeune homme, hein, qu'on appelait Petit. Ça fait longtemps. Et qui était derrière vous. Et alors, je suis en train de vous parler. J'ai vu ce Petit s'y faire comme un demi-tour. Je l'ai vu en train de tourner, tournoyer. Tourner, tournoyer. Tourner, tournoyer. Parce qu'il cherche la route qui va le mener vers vous. Vous me suivez? Oui, papa. Ça, c'est